CST, une triple absence qui aura sans nul doute fait de nombreux déçus parmi les nombreux Britanniques massés aux abords de l'abbaye de Westminster, lundi 13 mars, à l'occasion des célébrations du Commonwealth Day. Les princes et princesses George, Charlotte et Louis d'Angleterre, les trois enfants du prince William et de Kate Middleton, n'ont pas participé à cette grande journée internationale, qui célèbre les relations diplomatiques et économiques entre le Royaume-Uni et certaines de ses anciennes colonies. L'événement réunit évidemment chaque année de nombreux membres de la famille royale britannique. Kensington Palace, le lieu de vie de William, Kate, George, Charlotte et Louis, n'a pas donné d'explication officielle sur l'absence des trois enfants. Mais la justification la plus probable de leur absence est que, à l'heure des célébrations, les trois enfants avaient école. CST donc en parents responsables que Kate et William ont choisi de se rendre seuls à l'abbaye de Westminster. Charles III, Camilla, Kate Middleton. La famille royale réunie pour Commonwealth Day. George et Charlotte de plus en plus présents aux événements officiels. George, Charlotte et Louis sont scolarisés depuis septembre dernier, et le déménagement de la famille à Londres suite au décès d'Elizabeth II, dans la prestigieuse Lambrook School de Berkshire. Dans cet établissement, le vendredi est un jour chômé. Mais pas le lundi, jour des célébrations du Commonwealth Day. Malgré cette absence, le prince George et la princesse Charlotte, les deux aînés de la fratrie de Troyes, accompagnent de plus en plus souvent leurs parents durant leurs engagements royaux. Les deux enfants étaient ainsi présents en septembre dernier lors d'événements publics liés au décès d'Elizabeth II, ainsi que lors de célébrations de Noël. Quant au prince Louis, il est encore jugé trop jeune par ses parents pour prendre part à de tels événements publics. L'enfant fêtera son 5e anniversaire en avril prochain. Crédit photo, Back Grid UK.